Salut à tous, le mode condamnation est disponible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de jeu issu du premier Titanfall où un coéquipier et un adversaire vont être désignés comme cible prioritaire. Donc pour marquer des points, il faudra abattre la cible adverse avant que la nôtre ait été anéantie. Donc simple sur le papier. Il faut quand même, puisque comme vous pouvez le voir, la cible est quand même affichée de façon assez voyante. Lui, j'aurais mieux fait de le, oui, voilà, j'aurais mieux fait de le terminer. Voilà, alors c'est le mode de jeu. Là où j'ai une petite crainte, c'est que contrairement au premier, nous avons la téléportation, donc ce qui risque de rendre les cibles assez compliquées à toucher. Donc là, vous pouvez tuer 50 pilotes, ça ne changera rien, puisque les points que vous marquez dépendent des cibles que vous allez abattre avant votre adversaire. Donc pour l'instant, ils y sont partis. Voilà, 2-0, ça commence bien. Bon. Alors, j'ai pas pris téléportation, hein, parce que je termine... Je me suis dit que j'allais essayer 100, hein, comme d'habitude. Donc, notre cible est ici. Alors, il y a deux solutions. Soit je peux rester avec lui pour le protéger, ou tuer la cible qui était pas loin. Voilà. Déjà, ça fait un point. C'est parti. Donc, toujours avec le petit R97, hein, qui est vraiment... Depuis que le petit point au centre ne disparaît pas lorsqu'on tire, c'est quand même devenu une arme assez redoutable, même de loin. Alors, on a notre copain aux dévotions, pas du tout, au flatline, l'arme du noob. Oui, je déteste le flatline. On va peut-être quand même le tuer, histoire de... Ah! Voilà, on est désigné comme étant la prochaine cible. Donc le but du jeu, c'est de partir le plus loin possible et d'éviter les balles. Alors avec le grappin, bah, ça va nous permettre de prendre mine de rien pas mal de distance, de pouvoir monter plus facilement sur les structures, etc. Là, je vais regagner un petit peu de vitesse. Je vais essayer de remonter. Non, je n'ai plus, de grappin, donc ça va être compliqué. C'est là que le bunny hop aussi va prendre tout son sens. Toujours pas de grappin. Si, enfin... Voilà, mes partenaires ont éliminé la cible, ça c'est la bonne nouvelle. Donc du coup j'ai réussi à tenir assez longtemps. Parce que ça sert à rien. Alors je vois que mon titan est disponible, on va l'appeler. Je crois que j'ai pris le... Il va aller dedans, voilà, tous les coups. Hop, je pensais que j'étais dans mon... Tant pis, je crois que j'ai pris le taunt. Bon, pour ce mode de jeu, c'est une... Le taunt est très intéressant, d'une part grâce à son radar et du fait qu'avec ses dégâts de zone, il peut facilement tuer un adversaire qui est dans une structure. Alors, apparemment c'est la fête au rodéo. Ok, si on a un là, d'accord. Bon, je vais attendre qu'il... Voilà, qu'il est terminé pour lui mettre un petit obus en pleine tête. Récupérer la batterie et on va essayer de faire du point 6-2. Finalement, on s'est bien repris, ça partait mal, mais... Alors, des scorch. Pas de bol pour le scorch. C'est le seul endroit d'Angel City où il est grandement désavantagé, puisque je peux facilement éviter ses dégâts de zone. En restant loin. Du coup, ça va me reconstruire mon noyau. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Ah bah c'est la cible en plus, ça tombe bien. Il va tomber pile devant moi. Super, cadeau. Ah, attention, verrouillage, donc éjection. Voilà. Encore le flatline.
plus qu'à un point finalement de la victoire. Bon, il va rester un point. Contre un R97, il va pas faire long feu. Voilà, donc c'est comme vous pouvez le voir, ce sont des parties qui sont extrêmement rapides. Et finalement, pas super désagréable, surtout quand vous êtes la cible et que vous devez bouger assez rapidement pour éviter tous les pilotes adverses qui vont essayer de vous faire la peau. Alors, qui me tire dessus encore? Tous les coups, c'est le flatline. Voilà. Nous, on a vu qu'on avait pris à peine une balle, mais en fait, il y en avait plus. Voilà. Donc 3 cibles abattues et 2 condamnations évitées, ce qui n'est pas si mal que ça. C'était la première partie de la journée, donc hein, c'était pas non plus exceptionnel, mais vous me pardonnerez. Sur ce, bon jeu à tous et à plus!